Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une petite vidéo en extérieur. Là c'est pas être de la rando, ça va être un peu plus trail. Voilà, là le paysage a changé. On est en Corse, on est dans le centre-ville de Calvi. Et là ce matin on va rejoindre le phare de la Révélate. Voilà, donc entre 13 et 14,5 km suivant la boucle que je fais, ça dépendra de mon genou et de ma jambe. Je me suis fait mal hier, en rando également. On a fait une petite rando que j'ai pas filmé, mais voilà, j'ai le genou qui pique un peu, donc on va voir comment ça réagit en course à pied. 6h du matin, départ à la fraîche, parce que il va encore faire bien 35 degrés aujourd'hui. Et hier, ça a été la grosse erreur. Quand ça tape fort. Donc là, on part rejoindre le point de départ. Et puis, vamos! C'est là-bas qu'on va. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai le genou arraché. Oh putain, ça fait mal. Mais bon, on va quand même essayer de se faire ce morceau de trail. Oh putain, je vais se casser ici. Mais ça pique, hein. Shit, j'ai mal au genou. Allez, est-ce qu'on va là? Putain, j'en chie, en plus il commence à faire bien chaud. Allez, continue, 5 km à peine, on n'avance pas. Bon, ça y est, phare de la Révélate, hop là, juste ici, on est sur la pointe. Voilà, ne pas être ébloui par le soleil. Puis voilà, on a vu sur la cité de Calvi, qui est là, si je mets mon dos au bon endroit. Puis voilà, bah, du coup, nous, on est parti de la cité là-bas. Puis on a fait tout le long, là, en passant par les trous. Et puis, on vient d'arriver là. On voit la croix qui est le sommet, qui est... C'est celui-là, il me semble. Hop là, et voilà, ça pique, hein. Putain, déjà que j'ai mal au genou, en plus le terrain est, enfin, entre un petit peu de sable, des grosses pierres, des grosses marges, je crois que je me suis trompé de chemin une bonne trentaine de fois, c'est terrible. Pourtant ça va, il y a quelques balises comme ça, mais il n'y en a pas partout, et ben forcément j'ai le don exceptionnel, si j'ai un talent c'est de choisir le mauvais chemin sur les deux à chaque fois, donc bon, mais ça me vaut quelques petits demi-tours. Mais bon, voilà, il est, je pense, quelque chose comme 7h30 maintenant. Ouais, j'ai mis 50 minutes et quelques pour arriver là. Et puis voilà, on va faire le tour. Bon, du coup, je vais faire le grand tour, enfin la grosse boucle que j'ai dessinée. Il y en avait trois différentes, mais bon, maintenant que je suis là.
on va essayer de voir quelque chose d'un peu différent, donc rentrer un petit peu plus par les terres. Et voilà, on va pas trop traîner parce que mine de rien il commence à faire chaud. Ils annonçaient pas mal de vent aujourd'hui, mais pour l'instant ça pourrait souffler plus, hein. Regardez, vous voyez la mer, il n'y a pas une vague. Donc voilà. Allez, pas le temps de niaiser, c'est reparti. Yeah. Moi j'en chie, je suis dans la montée là, quelque part par là, je sais pas où exactement, mais je marche, là je peux pas faire mieux, j'ai toujours aussi mal aux genoux, mais de toute façon ça grimpe raide, ça aurait été dur de tenir un rythme rapide dans la montée, et là on va attendre la descente, Je n'aime plus trop du profil, j'espère que ça va être assez plat après pour que je puisse poser un petit rythme quand même. Voilà. Ça pique 5h30 de sommeil. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Bon, ça y est, j'ai fait 15,5 km, donc j'ai bien fait 1 km de mauvais chemin. Ouais, comme quand je vous disais que je m'étais planté pas mal de fois, bah, ça m'a coûté 1 km. 1 km qui coûte cher. Ah, je suis mort. Un peu mésestimé, j'ai mis 2h02. De toute façon, je vais vous mettre le résumé ici, mettez pause si vous voulez voir ce que ça a donné. J'ai trois traces différentes, d'ailleurs si ça vous intéresse, que ce soit en trail ou en rando, c'est sympa à faire. Je suis passé par l'église ou la chapelle de... j'ai plus le nom, je vous l'afficherai. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'était bien, mais je suis mort. Ouais, je disais un peu mes estimés. Quand ça monte, forcément. Mais ça, on est habitué, on court pas forcément dans les montées. Par contre, on aime bien courir quand c'est roulant. Le problème, c'est que quand c'est assez plat, ben, ça reste pas très roulant dans le sens où le sol est vraiment défoncé, quoi. Et c'est assez dur. Là, sur les dernières images, vous avez vu que j'arrivais un petit peu à courir. Mais c'est vraiment rien par rapport à l'aller le long de la côte, là. Là, c'était tendu, quoi. Mais bon, une bonne matinée de fête. Et voilà. Sur ce, à la douche, au petit-déj aussi. Et bonnes vacances. Ciao.